Je saute du coq à l'âne, mais ce sont des questions qui reviennent souvent, y compris de la part des spectateurs. Vous êtes pour l'abrogation de la loi Guesso. Comment est-ce que vous justifiez cela, en fait ? C'est une question de liberté d'expression, de... Oui, alors là, bon, écoutez, là nous sommes dans... n'est-ce pas ? Ce sont des lois liberticides dont l'objectif est que la loi et donc la justice décident et déterminent une réalité historique ou un mode de pensée. Mmh. Bon. À partir du moment où on n'est plus libre de défendre ses idées, ses convictions et que l'on est condamné pour ses idées, on ne vit plus en démocratie, ça n'est pas plus compliqué que ça. Mmh. Alors moi, je n'ai jamais refusé de débat contradictoire, étant cadre ou secrétaire général du Front ou élu du Front, des gens de gauche ou d'extrême gauche. Le débat contradictoire est toujours utile. C'est d'ailleurs de là que vient la prise de conscience du peuple. Donc il faut affronter l'adversaire sur les questions des idées. Mais à partir du moment où vous n'avez pas le droit de vous exprimer, à partir du moment où l'idée nationale peut être condamnée, à partir de ce moment-là, vous ne vivez plus en démocratie. Donc il faut abroger ce qu'on appelle les lois liberticides, et tout le monde a y gagné. La démocratie a y gagné, l'histoire a y gagné. Bref, il ne faut pas avoir peur du débat contradictoire et des idées, même si ce sont celles de vos adversaires. Mmh.